Alors, bonjour à tous et merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous. Et personne d'autre, sauf tous ceux qui veulent nous rejoindre. Vous êtes le bienvenu, chers amis. On est vendredi. Thank God, it's Friday. Le 12 juillet 2019, 8h17, heure du Québec. Ceux qui sont en vacances ou qui partent en vacances, bonnes vacances, soyez prudents. Les autres, ben, bon week-end. Ça sera votre tour un jour. Sommes-nous seuls dans l'univers? C'est une question. Qu'on se pose depuis très longtemps. Avons-nous été visités? C'est une question à laquelle on n'est pas capable de répondre non plus, mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'évidences qui mènent à cette, probablement euh, ce fait-là historique qu'on aurait été peut-être visités, que nous sommes peut-être nous-mêmes euh, ces visiteurs-là, ces extraterrestres en question, qu'on nous-mêmes venons d'ailleurs, qu'on nous a amenés ici. En fait, il y a plein, plein, plein de. Il y a plein de mouvements dans ces courants de pensée-là. C'est extraordinaire. Hein? C'est de plus en plus populaire. Il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ça. Il y a de plus en plus de gens qui formulent des théories. Écoutez, une théorie en vaut une autre. Hein? Les vieux modèles sont en train de prendre le bord. On n'a pas le choix. On les voit disparaître parce que. C'était des modèles d'une autre époque, avec les moyens qu'on avait, avec les connaissances qu'on avait. Et franchement, ça ne répond plus à la modernité et à ce que les gens veulent savoir et veulent voir. Donc, il y a plusieurs, plusieurs questions qui sont revenues à la surface. <coughs> il y en a même, puis reviens, je reviendrai là-dessus un peu plus tard, qui avancent que la Lune serait un hologramme, que ça serait un corps. Artificiel, construit par des gens, hein, euh, d'ailleurs. Il y a plein, 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 plein de, de théories qui euh, circulent, puis il y en a qui sont très sérieuses. Et on ne peut pas s'arrêter aux vieilles idées, aux vieilles théories. On n'a qu'à penser, hein, et sans faire référence à quoi que ce soit, moi je suis déjà allé étudier le. Le sujet de la Terre plate, la Terre ronde, hein? c'est un sujet qui évolue depuis des milliers d'années. On est passé d'une idée où on pensait que tout le monde pensait que la Terre était plate, jusqu'à ce qu'on se rende compte que peut-être elle est ronde, jusqu'à ce que tout récemment et aujourd'hui, c'est le sujet le... un des plus populaires sur les réseaux sociaux. Est-ce que la Terre est vraiment ronde? Est-ce qu'elle est plate? Est-ce que. Moi, j'ai plongé dans ce sujet-là, je suis allé voir parce que je suis curieux, puis moi, il n'y a rien qui me fait peur. Puis le ridicule ne me fait pas peur non plus. Et honnêtement, c'est intéressant, puis ça t'amène à autre chose. C'est quoi la conclusion de ça Je ne sais pas. Je n'ai pas plus de réponses avant qu'après. Puis entre vous et moi, ça n'a pas d'importance non plus. Donc, ça ne change rien dans nos vies. Mais, n'empêche que toutes ces questions-là reviennent, partent, reviennent, partent, reviennent, sont jamais définitivement fermées. Même chose avec la vie extraterrestre. Qu'est-ce qui se passe dans l'univers On est tous curieux. Et je pense que c'est normal. On essaie de comprendre parce qu'on a un voyage qui nous attend, nous autres, là. On est ici. On, est... on a été amené ici. On s... De notre gré ou contre notre gré. On est quand même là. L'univers existe parce qu'on le voit et parce qu'on l'observe aussi. Qu'est-ce qui arrive après quand on n'est plus là Tout le monde s'inquiète de ça que tu le veuilles ou non, et ça nous amène à angoisser avec le reste, ce qui est au-dessus de nos têtes, ce qui est en dessous de nos pieds. Maintenant, il y a une planète qui a toujours fait partie de, hein, de ce folklore d'extraterrestres de, ou de vie extraterrestre, hors de la Terre, c'est Mars. Cette fameuse planète qui, selon plusieurs, aurait été habitée et justement, après l'exploitation totale de toutes ces ressources, aurait amené ces gens-là à venir ici. Parce que c'est pas loin, entre autres. Donc, selon des découvertes sur Mars qui auraient été habitables bien avant la Terre, selon des chercheurs de l'Université de Western Ontario, c'est un ami qui m'a envoyé le lien que je salue au passage, la planète rouge aurait pu présenter des conditions propices à la vie il y a plus de 4 milliards d'années, bien avant les premières formes de vie connues de notre planète. En 2003, le télescope spatial Hubble a pris cette photo de la planète rouge, 11 heures avant sa plus proche rencontre avec la Terre depuis 60 000 ans. À quelle distance? C'était à peine 500, euh, 55 760 220 km. La prochaine rencontre sera en 2287. Lors du grand bombardement tardif, l'augmentation drastique des impacts météori météoritiques pardon, et cométaires sur les planètes telluriques du système solaire a particulièrement touché Mars et la Terre. Si l'existence de cette période n'est pas avérée et reste purement théorique, elle a pu être énoncée grâce aux datations, roches, euh, aux datations de roches lunaires rapportées au fil des missions Apollo. Ce bombardement tardif s'étendait approximativement de 4,1 à 3,9 milliards d'années avant aujourd'hui et serait la seconde salve de bombardements intensifs, les premiers ayant cessé progressivement après la formation des planètes de notre système. Lors de sa genèse, il y a 4,6 milliards d'années, cette théorie vient d'être remise en question par les chercheurs de l'Université de Western Ontario. Dans une étude publiée dans la revue Nature, Y est exprimé l'hypothèse que les impacts météoriques Météo météoritique, pardon, sur Mars auraient cessé bien avant ceux de notre planète. Les chercheurs ont analysé des minéraux martiens retrouvés dans des morceaux de météorites ayant échoué sur notre planète dans le désert du Sahara. Celles-ci ont été captées par notre champ gravitationnel suite à une collision entre Mars et un astéorite de plusieurs centaines de mètres d'envergure. Lorsqu'une météorite ou un astéorite vient s'écraser sur une planète tellurique, le choc engendre des pressions et des températures hautement élevées, facilement détectables lors d'analyses. Les échantillons de zircon et de badélite datés de 4,4 milliards d'années, présents dans ces minéraux martiens, ne présentent pour leur part aucune trace indiquant qu'ils ont subi un impact important. 97 des grains. Que l'on a étudié présente des caractéristiques métamorphiques de choc faible ou nul, admet Edmond Mosser, chercheur à l'Université de la Western Ontario et principal auteur de cette étude. Nous avons décelé une surimpression thermique induite par un choc important. Des analyses identiques réalisées sur des, échant des échantillons terriens et lunaires ont montré que 80 des grains étudiés affichaient quant à eux des signes thermiques d'impact important. Qu'en conclure Pour les auteurs de l'étude, la période de bombardement intensif sur Mars aurait, dû, aurait donc pu prendre fin beaucoup plus tôt que sur notre planète, il y a 4,4 milliards d'années. De cela aurait résulté un environnement propice au développement de la vie. En prenant en compte les modèles d'habitabilité thermique, nous avons conclu que certaines parties de la croûte de Mars ont atteint des pressions et des températures habitables il y a 4,2 milliards d'années, soit au début de la, de la période humide martienne, conclut le chercheur. Toujours selon l'étude, après cette phase d'impact, la croûte terrestre ou la, coutre, la croûte pardon, de Mars se serait refroidie progressivement et la surface aurait ainsi pu réunir les conditions de température et de pression propices à la vie, environ 500 millions d'années plus tôt. Que la plus ancienne trace de vie reconnue sur notre planète. Mais Mars présentait à cette période un aspect totalement différent de celui qu'on lui prête aujourd'hui et entamait donc, il y a 4,2 milliards d'années, sa période humide. Certaines études ont avancé l'idée qu'un im immense océan couvrait alors une partie de son hémisphère nord et plusieurs lacs et rivières parsemaient toute sa surface à cette période. En 2020, une mission cherchera d'ailleurs à trouver des traces d'un ancien océan. Le rover de la NASA Mars 2020 explorera en effet la zone Jezero, ayant pot potentiellement abrité la vie. Le grand bombardement tardif mit fin à Léon du Philocien. Léon étant un intervalle de temps géochronologique caractérisé par un état encore chaud de la planète Mars et d'une enveloppe atmosphérique épaisse, lui a succédé Léon du qui s'est prolongé jusqu'à 3,6 milliards d'années. C'est une, une période de très fort volcanisme permettant de conserver une bonne pression atmosphérique, beaucoup de gaz à effet de serre, notamment le soufre, et une bonne couverture nuageuse, avance Pierre Brisson, président de la Mars Society, Switzerland. Cet éon est surtout intéressant du fait de l'abondance d'eau liquide s'écoulant au cours de cet épisode. Si de récentes études montrent en écho que l'eau aurait parcouru Mars bien plus longtemps qu'on ne le pensait. Les prochaines missions devraient nous permettre d'en apprendre un peu plus sur l'habitabilité potentielle de Mars durant ses premiers temps. géologiques. Donc, vraiment, je vous laisserai l'article dans la boîte de description parce que je pense que quelques diaporamas ici qu'on pourrait pour aller euh, visionner. Ça nous vient de National Geographic, vendredi 28 juin 2019. Restez avec moi, je vous reviens.